La haute cour militaire continue à enregistrer d'interminables débats dans l'affaire Chebeya entre, d'une part, les parties civiles et, de l'autre, le ministère public, la République et la Défense. Dans l'audience du mardi 7 août 2012 à la prison centrale de Makala, tous se sont penchés sur la sécurisation ou non du site soupçonné d'être le cimetière de Fidel Bazana, Baïziré, compagnon de Floribert Chebeya. Et pour les parties civiles, il faut gagner le temps. Le temps qui passe, c'est la vérité qui s'en va. Il faut le dire à la cour et à l'organe de la loi. Parce que cette demande de sécuriser le site a été formulée depuis le début des audiences. Je pense que ça aurait déjà été chose faite s'ils le voulaient. C'est depuis le premier degré que nous avons demandé qu'ils viennent. Voyez que celui qui fait passer le temps, ce ne sont pas les partis civils. La République estime ces démarches inappropriées. Le parti civil dans son ensemble ne sait plus ce qu'elle veut. Vous voyez, on continue à faire pleuvoir les requêtes, jusqu'à déposer la requête sollicitant la surséance. Vous comprenez, c'est trop fort. Ça veut dire qu'on cherche une chose et son contraire. Voilà pourquoi nous avons dit que lorsqu'on ne sait plus où aller, il faut retourner derrière. La haute cour militaire a suspendu l'audience alors que le civilement responsable avait encore des moyens à développer. À la prochaine, c'est dans cette optique que se poursuivra le débat.